Amis gamers et gameuses, mes salutations, ici Dom, alias Jedi du Nord à la manette, et bienvenue dans Explorer jeu numéro 3 sur le jeu Is 9 Monstrum Nox sur PS4. Ouais, c'est un nom à coucher dehors, mais c'est comme ça. Bon, comme d'habitude, ceux qui suivent la chaîne, vous savez comment je débute ça, donc je vais y aller avec la présentation initiale du jeu. C'est un jeu qui est développé par le studio Nihon ou Nihan ou quelque chose du genre, Falcom. C'est publié par NES America. C'est un jeu de rôle d'action jouable à la troisième personne. Se joue en solo uniquement. De toute façon, moi, un jeu de rôle, j'aime bien jouer solo. C'est disponible sur PC, Nintendo Switch et PS4. En version boîte et téléchargeable. Voilà. Ce qu'il faut savoir en fait, scénario, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le scénario met en scène Adol, ou Adol, en tout cas, appelez-le comme vous voulez, ça c'est comme le personnage fort de la franchise Is, qui est de retour après l'excellent opus Lacrimosa of Dana. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vraiment un des meilleurs Is que j'ai joué dans ma vie. Cette fois, Adol, malheureusement, se retrouve dans la prison de la ville de Baldock. Puis, alors qu'il tente de s'y échapper, ben, il reçoit une malédiction qui le transforme en Monstrum, donc en espèce de monstre. Puis, il doit ainsi sauver la ville de sa destruction. Rien de plus, rien de moins. Voilà pour la petite histoire de Is 9 Monstrum Nox. Faut savoir à la base que cette série-là, c'est une série qui est excellente. Par contre, peut-être un peu méconnue ici, en tout cas au Québec, parce que ça fait pas très longtemps que la série est offerte avec au moins sous-titres et menus en français. Je pense que ça date depuis Lacrimosa of Dana. Ils ont fait aussi je crois que c'était le premier Is Origin, qui était sorti sur Nintendo Switch et PS4, qui était sous-titré avec menu français également. Donc ça, c'est bien. Enfin, certains studios ouvrent leur horizon au lieu de mettre juste en anglais ou en japonais. Ça permet à une plus grande clientèle de suivre la franchise, en fait. Donc, je vais commencer. J'ai reçu le code, moi, pour faire la critique de NES America. C'est ça. Donc, on va y aller tout de suite avec démarrer une nouvelle partie. Ici, on a niveau de difficulté facile, normal, difficile, cauchemar, infernal et inhumain. On va se calmer un petit peu les nerfs. On va y aller en normal. Quand même. Moi, je veux jouer. Je veux pas garocher ma manette un peu partout. Le but, c'est de s'amuser. Régler connexion, marche, arrêt. Bon, c'est quoi ça? Régler connexion, auto. Ok, on va faire marche. Régler mode assistance. Arrêt, paramètres peuvent être modifiés en cours de jeu via les options. Excellent. Excellent. Tout. Ah ouais, hein, c'est bon ça. Ok. Par contre, Lacrimosa of Dana, je sais pas si j'ai encore. Ma sauvegarde, je m'en souviens pas. Memories of Cell, c'est un excellent Is aussi. Par contre, était sorti sur PS Vita à l'époque, uniquement en anglais. Et ils l'ont ressorti sur PS4, et encore une fois, uniquement en anglais. C'est dommage parce que c'est un excellent opus de la franchise, mais offert en anglais seulement. J'aurais aimé ça qu'ils le refassent avec sous-titres menu français, mais bon, ils n'ont pas cru bon de le faire. Mais si vous comprenez moindrement l'anglais, ça vaut vraiment la peine de se le procurer et de le faire. Donc je sais pas s'il va chercher, il va trouver quelque chose. Donner son regard introuvable. Donc il l'a pas trouvé. Choisir un nom, vous ramènerez à l'écran titre. Commencez le jeu quand même. Oui. Peut-être que j'ai pu ma sauvegarde à Lacrimosa of Dana, en tout cas. C'est pas grave. C'est pas plus compliqué que ça. Falcom présente. Dans le rôle de. Non, c'est une joke. Good. You've made it out. Don't worry about me. I'll be fine here. I've grown rather accustomed to these walls. Hurry now. You must leave the prison before the guards catch wind of your escape. I hope that one day we'll meet again. Now go! Oh yeah!
Bon, là, comme vous pouvez le voir, on s'entend que le graphisme, c'est pas la force du studio. Ok, c'est plus ça pour le scénario, puis le style jeu de rôle d'action, en fait. Donc, pour le graphisme, on repasserait. C'est peut-être, moi, je dirais que c'est peut-être fin PS3, début PS4, mais pas plus que ça, sérieusement. Mais c'est pas ça qui fait le charme de la franchise, de toute façon. C'est déplacé, examiné, parler. C'est déplacé, ok. Restez appuyé, L1. Examiner, elle a petit carré. Et parler avec petit carré aussi que lorsqu'il est pète. Ok, bon, ben c'est parfait, ça c'est correct. D'accord. Bon, et c'est parti. What happened? No reports received so far. Did a prisoner break out? Ah, j'ai obtenu un trophée parce que début de l'évasion. Excellent. Là, ici, on voit la jauge avec mes points de vie. Donc, j'en ai 119. Je suis déjà niveau 3. Et on voit la carte en bas à gauche. Chercher un chemin pour s'enfuir. Ah, ok, ouais, il court quand même assez rapidement. C'est bien ça. Ah, déjà, je replonge dans la franchise. C'est vraiment excellent. Ah. Tu sais, j'aime vraiment les jeux d'action, les jeux de rôle d'action, en fait. Pas trop partout aussi, c'est bien. Là. C'est pour ça que depuis ma tendre enfance, en fait, je me fais un point d'honneur de faire les Final Fantasy, les Star Ocean, quoi d'autre, j'en oublie, Dragon Quest. C'est toutes des excellentes franchises, en fait. Lorsque il y a un nouvel opus, ben je me le tape. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire hein? Bonjour. Tu fais juste cogner, toi tu fais rien d'autre. Ok. Comme vous pouvez l'entendre, la bande originale est vraiment excellente, comme d'habitude. Ok. Il y a des gens qui sont pas contents. Là, je vois plein de gens, mais donc là, faut que je me sauve. Par là, yes, ou... chercher un chemin pour s'enfuir. Est-ce que je reviens à la même place que ton... Non. Oui. Non. Ici, je peux trouver ça. Ouais, examiner. Fermer la clé. Ah! Ok. Donc, je peux pas me sauver par là. Ici, ça donne quoi? Fermer la clé, bon. D'accord. Bon, ici, je peux rien faire. Là non plus. Bon, ici c'est clair que c'est fermé. Hein. Pour moi, certain. Yep. C'est que je vais aller descendre ici. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, on peut sauter, mais ici il y a là dans une barrière, donc je peux pas descendre. Ok, ça. Temps de chargement assez court. Sauvegarde automatique aussi, ça c'est bien. Je sais pas pour vous, je sais pas si vous préférez jouer lorsque le jeu est sous-titré menu français avec les voix japonaises ou anglaises. Moi ou l'autre, ça me dérange pas vraiment. Là. Je vais pas descendre. Bon, soulever le couvercle en bas et descendre. On va essayer ça. Ah, la bande originale, sérieusement, ça vient me chercher. J'adore ces pièces musicales-là. C'est une réserve du sous-sol. Je trouve une façon de la sortir. Bon. Bon. Sauvegarde, chargement. Ok, oui, mais ne passe pas. Sauvegarde, chargement. Ok. Donc, clique sur option. Système. Sauvegarde, chargement, effacer, configuration. Donc, si je fais une sauvegarde ici, ça donne quoi? Ça, ok. Ça vient de sauvegarder, c'est merveilleux. Carnet de bord, chercher un... Ok, ça c'est bon. Là, je suis dans un prologue, on s'entend. Hein? Donc, j'ai attaque 9, défense 8. C'est pas très élevé. Ici, on peut aller les outils, les armes, armures, accessoires, autres. Carnet de bord, oui. Il est contenu téléchargeable. Ok. Bon. Sinon, prochainement, il va y avoir capacité, équipement, formation, carte, etc. Non, j'ai aucune pièce d'or non plus. On va fouiller un peu ici, je sais pas si c'est quelque chose de caché. Bon, je peux monter sur la table, c'est pratique.
Ça, ça semblerait qu'il n'y a rien ici. Des canons, de l'armure, armes. Oh, un coffre au trésor. Oh, j'ai une épée. Yeah. Les personnages, là, présentement comme ça, je serais tenté de dire qu'ils ressemblent un peu à ce qu'on retrouve dans Code Vein. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Là. Un jeu à la Dark Soul, Dark Soulesque en fait. Puis les personnages ressemblent un peu à ça. Donc ici, je m'équipe avec mon épée. Attaque 12. C'est quand même bien fait, c'est rapide, c'est super accessible pour placer son équipement. Donc je vais pouvoir le faire avec le costume et avec les armes, les bagues, etc. Bon. Parfait. Fait que si j'ai mon épée là, ça veut dire qu'il y aura des ennemis pas loin, je pense. Effectivement. Donc ici, est-ce que je peux ouvrir la porte et examiner? Donc pas sauter. Ok, il a-tu sauté un temps que moi? Ok, non, c'était juste une coïncidence. Danger, entrée interdite. Je m'en doute. Garde des officiers de la prison aussi. Interdit d'entrée. Signé l'ordre de la croix étoilée. Bon, ok, mais effectivement, j'ai pas le choix pour m'évader. Donc, je vais faire ça. Et voyons voir ce que ça donne le système de combat. Je sens une présence étrange. Je percute les bêtes qui rôdent dans le sous-sol. C'est ok, un rat c'est correct, les deux autres aucune vis de quoi. Quels sont donc ces créatures? Ils sont une apparence grotesque, telle des démons qui gigotaient cette tortille. Bon, fait qu'attaque, touche, carré, verrouillage, touche, triangle. Annulation du verrouillage, tirer rapidement, changement de type. D'accord. Est-ce qu'il flash? 1, pouce, capacité, permutation. Bon. Ah, quand même. Bon, c'était pas un gros défi, on s'entend. Là. Je vais chercher à recueillir ce qu'ils m'ont donné. Et je vais continuer ma route. Ok. Il y a un petit problème de caméra, ben. Bon. Je sais pas pourquoi que c'est comme ça. Ok. Ah, t'as sauté, tu t'es fait avoir. Je vais essayer de verrouiller le type pour voir que ça donne. Bon, d'accord. Bon, ça entend que c'est le prologue, là. Je me suis pas fait toucher une fois. Mais d'après moi, ça s'est fait pour ça. Pas de problème. Alors, j'ai compris tantôt que ce qui s'est passé, c'est que la caméra était rendue comme ça ou par en haut comme ça, parce qu'on peut la contrôler avec le joystick de droite. Bon, c'est un peu mêlant, mais une fois qu'on l'a maîtrisé, ça va bien. It seems I've arrived too late. Donc ça, c'est, ça doit être la personne que je rencontre, comme je vous ai dit dans l'intro plus tôt, qui va me transformer en Monstrum, en fait. Qui es-tu, Brain Jamatis? Je vais demander qui es-tu. Introductions must wait. Just know that your role here is crucial. Forgive me for what I am about to do. But this city needs you. Mm-hmm. Oh. Et qu'est-ce qui se passe? Impressive. You've assimilated with the curse without so much oh, as a squeak. Oh, okay. Méchante transformation. Your new form deserves a proper name. How about the Crimson King? I did. Now you must calm yourself and fully embrace it.
Bon, donc la voie pourpre. Vous pouvez vous déplacer de façon ultra rapide avec R2 à l'apparition d'un point. Ok. Ah. Do you understand your gift? Ben, pour l'instant, non, je vais pas essayer encore. The wheels of fate are already turning. Use your power to escape this place. D'accord. We will meet again, in time. Owen, my name is Aprilis. Keep looking, dammit! But they told us we're not supposed to be down here. Bah, ils m'ont retrouvé. Who cares? We have to find the prisoner. Oh, la fille est déjà partie. Elle n'a pas été trop long. D'accord. Donc, je vais faire face à mon destin. Ah, c'est ça qu'il disait tantôt. Ok, donc. Et là, je vais régler de quoi, là? La caméra, là, j'aime pas ça. Là. Elle est comme inversée, on dirait. Caméra. Axe vertical. C'est ça? Si je fais ça, demain, il m'y arrive quoi? Ok. On va regarder quelque chose. Ah oui! Lorsque je me pars en haut, ça va par en haut. Lorsque je me pars en bas, ça va par en bas. Là, c'est beaucoup mieux comme ça. Oh, ok. Télétransportation. Téléportation. Téléportation. Aucun rapport. Donc, ici, il y a des petits ennemis. Est-ce que j'ai une capacité maintenant que je vais pouvoir tester ou quelque chose du genre? Oui, on va. Oh oui, c'est vrai. Hein, je suis rendu avec une épée gothique. Bon, c'est là que ça se passe. Ok. Mettons qu'on fait ça comme ça. C'est assez efficace. Calvince. Ok. J'aimerais ça pour avoir ce pouvoir-là. Tabouin. Ça, c'est juste 1 sur 4 que j'ai présentement. Parce qu'on s'entend que je peux en avoir 4 si je me fie à la jauge en bas à droite. C'est quand même excellent. Ça ici c'est barré, je peux pas y aller maintenant. Oh, il y a un ennemi qui vient d'apparaître. Et qui vient de disparaître. C'est moi le plus fort. Ici il y a une jauge bleue qui apparaît, donc... je sais pas, c'est-tu parce que j'utilise mon pouvoir? Ah, c'est ça, ok. Mon pouvoir recharge. Bon. D'accord, ici on va briser les caisses. Non, même pas. Les caisses, les tonneaux se brisent pas. Ouais, ils sont solides dans ce château-là. Là, j'imagine qu'il sait nager. Bon, ok, il sait pas nager. Ah, ok, je viens de comprendre. Téléportation. Non, ça a pas marché. Mais pourtant, je fais R1. C'était-tu R1? Non, c'était pas ça du tout. C'était R2. Ah, c'était R2. Excusez! Bon. J'essaie de récupérer des raisins feuillus. Ah, c'est bon, des raisins en plus. Je devrais récupérer de l'énergie ainsi. Ok, puis là, ben, je peux l'associer dans le fond. D'accord. Bon, ok, je vais faire ça comme ça. Je vais aller dans Objet, Raisins feuillus. J'avais pas besoin de grand chose, mais bon. Ça peut leur faire plaisir que je l'ai fait. Capacité nouveau. Ah, c'est ça ici, je peux l'associer 4, j'en ai juste une. Bon. C'est bon à savoir. On va continuer ça. Bon, bon, bon. Es-tu sérieux? Hein? Non, bon. Amenez-en des ennemis, là, pas de problème. Oh, première fois que je me fais toucher, je crois. Fait que là, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ennemis attendent pas, ils viennent vraiment vers nous. Ouais, ça, c'est bien, ça, c'est ça. Ça rajoute un petit défi à la chose.
s'entend contre ces ennemis-là, je suis un petit peu imbattable là, si je fais ça comme ça. C'est plus rapide comme ça que monter des escaliers, c'est long. Ah, la musique, la musique, la musique! Ah, c'est tellement bon. Pendant un saut, appuyez sur 1 pour faire un double saut. Bon, ça, c'est pas mal la norme dans ce style de jeu-là. Uh-oh. Temps de chargement avec un... Ah, ok, je pensais que c'est... Parce que la zone avait l'air grande et noire, mais c'est haut. Ça ressemble à du Dark Souls. Il y a peut-être un boss qui s'en vient, quelque chose, je sais pas. Let's take a break. Ici, c'est quoi? Un glyphe au sol. Ça a l'air d'un autre biscuit, cette affaire-là. Un glyphe au sol. Une aura bien faisant ton éman. Bon. Ah, j'ai regagné mes points de vie. C'est bon, ça. Même si tu n'en as pas besoin de vraiment, mais j'ai pris tes raisins pour rien. Hein. Récupérez vos intérêts d'état en montant sur un glyphe. Bon, d'accord. Lorsque vous perdez et que vous sélectionnez recommencer, vous redémarrez à partir du dernier glyphe sur lequel vous êtes monté. Ah, un genre de point de sauvegarde en fait, où c'est comme les bonfires de Dark Souls en fait, ou de ce style de jeu-là. Donc, d'accord. Si je vais par ici, j'arrive-tu de là? Non, j'arrive de là. Hein? Oh, c'est ça, ok. C'est bon. Ici, il y a quoi? On entend des voix par là. Cherchons un autre chemin. Donc, il y a des ennemis qui sont à ma recherche. Je ne peux passer par là. Ah! Arc! C'est bien laid, ça. Bon, ben, c'est comme le premier boss du jeu. En tout cas, du prologue. Verrouillez vos ennemis, observez bien leur attaque en fait de les éviter. En évitant les attaques ennemies, le bon timing vous déclenchez un escape flash. Ok. On va commencer par le verrouiller. Oh. Ah. Wow, wow, ouais, calme-toi. C'est moins drôle ça là. Ah mais il y a beaucoup de points de vie quand même. Oh! C'est ça, je l'ai fait parfaitement. Ah, j'avoue que ça fait du dommage en salle ça. Oh. Là, quelque chose je me souviens plus là. Mais il y a trop de choses en même temps. Là. C'est quoi donc? Fall Escape? Pas l'escape, mais. Alors, verrouillage de cible, ah, c'est triangle. Bon, ok, c'est ça que je cherchais. Ok, bon, là ça va être comme ça. Wow, 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 on se calme. Pourpre avec R2 lorsque le verrouillé avec triangle. Effectivement, ça fonctionne bien. Ah ouais. Ouais, oh ouais, on se calme. Oh! Je suis en arrière. Ouais, tu fais du dodo, là. Oh, non, j'ai pas eu ce coup-là. Non, c'est clair qu'il n'est pas difficile, là, on s'entend. Ah! Allez, vas-y. Tu m'as calculé ton saut, jeune homme? Les esquives au bon moment, on s'entend que c'est
pas facile, là, des fois, avec le montagne. Oh, là, je l'ai eu. Oh, il l'a pas aimé, ça, là. Et voilà. Oh boy. Bon, excellent. J'ai vaincu le monstre. Ça y apprendra à être là. There he is. Is that really inmate 217? He looks just like... Silence! I want that rogue in irons! What's up? It's unlikely that he'll make it out of these catacombs in one piece. The aqueduct leads straight to the city. Send a search party as a precaution. Have you ever had a dream where you weren't you? Ben souvent, oui, effectivement. You're someone else. C'est d'ailleurs pour ça que je joue à des jeux de rôle. Like it makes me wonder. Am I really? J'aime le style d'écriture. Perhaps such a dream is my reality, and my reality is the dream. I discovered the answer during my adventures in Balduk, and the answer was astoundingly simple. They are both equal truths. What is real is defined by what is not. Who one is defined by who one isn't. One must accept these truths if they wish to live and learn and grow. Donc, vive en dualité. It was in this prison, this cradle, where my dreams and my reality became intertwined. Adol Kristin. An excerpt from Balduk Prison. Écrit de moi-même. Ok. Ça promet tout ça. Chapitre 1, les monstres de Balduk. Ça a-tu fait quelque chose? Ça va te sauvegarder comme ça. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'aime bien, en tout cas, là, ben, c'est mon style de jeu. Hein. Moi, j'aime les jeux de rôle japonais, j'aime les jeux de rôle d'action, les tours par tour. C'est vraiment mon style de jeu favori, honnêtement, les jeux de rôle. Là. Pour plusieurs raisons. Je commence à les aborder, moi, j'étais encore là le même matin. Mais quand même, somme toute, c'est une bonne entrée en matière. J'ai hâte d'avoir le reste, qu'est-ce qui m'attend dans le jeu. Mais l'histoire, là, plutôt bonne. C'est du Iz, carrément du Iz. Si vous connaissez pas la franchise, honnêtement, vous n'êtes pas obligé d'avoir commencé par un ou l'autre. Il n'y a pas vraiment une suite, là. C'est tous des opus différents. Ça met souvent le même personnage, par exemple, en vedette, mais c'est des histoires différentes. Que ça ne suit pas vraiment. Donc, ça, c'est un peu comme Final Fantasy ou Dragon Quest, en fait. Donc, ça, c'est bien pour ça. Voilà. Donc, c'est tout pour moi pour cette fois. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur ma chaîne Twitch. C'est avec un temps fort, qui appelle ça sur Twitch, en tout cas. Là. Petit montage, après ça. La vidéo va être sur notre chaîne YouTube de Facteur Geek aussi. Vous allez pouvoir aussi retrouver la vidéo avec l'article sur lefacteurgeek.com. Vous pouvez nous envoyer un commentaire, une suggestion au facteurgeek@gmail.com. Sinon, il y a mon Twitter, Jedi du Nord. Il y a le Twitter de Facteur Geek également. Et donc, n'oubliez pas de suivre la chaîne, c'est important, ou de suivre aussi la chaîne de YouTube, pas juste ma chaîne Twitch, mais celle de YouTube également. Donc voilà, c'était Jedi du Nord pour Explorage numéro 3 sur Iz 9 Monstrum Nox sur PS4. Voilà, merci et à la prochaine!